Bon matin, bienvenue dans ce deuxième vlog de semaine de vlog. Anto m'a gentiment laissé dormir ce matin. Puis le petit a fait sa sieste genre vraiment pas tant longtemps. Sa première sieste vraiment pas tant longtemps après s'être levé. Fait que j'ai dormi, je sais pas si c'est la dernière fois que j'ai dormi jusqu'à genre 8h30. Mais ce matin c'est ce que j'ai fait. Puis ça fait quand même vraiment du bien. Je viens littéralement genre juste de me réveiller. Fait que j'étais encore un peu... wow. Hier, on est allé souper chez mon père, comme vous avez peut-être vu si vous avez écouté le premier vlog de la semaine de vlog. Et puis, c'était souper avec sa soeur, dans le fond ma tante, et son chum. Puis, on les a invités à venir faire un tour, vu qu'ils sont de Québec. C'est rare que, quand ils viennent, ils passent à la maison. Souvent, c'est comme, on se rassemble tous chez mon père, puis ça ressemble à ça, mais justement c'est ça, hier on les a invités à venir voir la maison et tout parce qu'on leur parlait des rénovations qu'on avait fait puis on était genre faudrait pour rien venir voir ça, fait que c'est ce qu'on a fait. Alors ils s'en viennent tout à l'heure, et j'étais en train de ramasser un petit peu autour de la maison avec Théo, on rassemble certaines petites choses, entre autres vient de finir de nettoyer la cuisine, salle à manger. Moi, je viens de faire le lit, la chambre, je ramassais. Et puis, je remettais du stock à sa place. J'ai besoin de faire ça tous les jours, genre de ramasser tous les jours. Mon Dieu, que ça se cumule vite. Ils nous ont offert un petit cadeau hier, justement, de produits. On avait tout mis ça dans le sac. Mais de produits. Le Petit Prince qu'on connaît pas, en tout cas que moi je connais pas, je pense pas qu'Anto connaît ça. C'est des produits justement, ça c'est quoi? C'est un bain moussant délicat, ça c'est un shampoing ultra doux. Puis il y en a un autre quelque part, je ne sais pas il est où. Avec une crème de change hydratante pour bébé. Fait que bien excitée d'essayer ces produits-là parce que comme je dis, je connais pas ça pantoute. Puis c'est toujours le fun, je trouve, de découvrir des nouvelles gammes. C'est bio, c'est nettoie et protège les cheveux délicats des bébés. Bref, je vais regarder un petit peu plus ça. Puis mon père avait fait un cadeau à Théo, un genre de petit volant VTEC comme ça. Tiens bébé, tu dormais. Puis ce qui est cool, c'est que tu peux l'attacher, genre, par exemple, sur une chaise haute, sur un banc ou peu importe. Moindrement qu'il y ait quelque chose sur lequel l'accrocher. Fait que tu fais juste justement rentrer ça comme ça. Puis il est vraiment cute. Je dois vous dire par contre, hier on était, quand on était chez mon père, on a essayé pour la première fois le moniteur VTEC comme ça qu'on a commandé. C'est juste un moniteur à son dans le fond. Fait que vu que le petit était couché dans une autre pièce, on l'entendait pas nécessairement, puis on a utilisé ça, et pour vrai, c'est génial. Si jamais vous en cherchiez un, là, c'est vraiment, vraiment pratique. Fait que tu mets un moniteur dans sa chambre, l'autre, tu le gardes avec toi. Je pense que celui-là, il y a des batteries, celui que tu gardes avec toi. L'autre, non. Puis tu fais juste le brancher dans le mur, fait que il peut juste pas manquer de batterie. Puis pour vrai, c'est vraiment génial. T'as genre 5 modes de son, fait que tu peux lever le son si tu préfères, baisser le son. Tu peux le mettre sur le mode batterie si jamais t'as pas de prise de courant en proximité ou quoi que ce soit là. Fait que sérieusement, si moindrement vous êtes ailleurs, puis tu sais, il faut que vous restiez pour la soirée ou quoi que ce soit, puis que vous faites dormir votre enfant dans une autre pièce. On était comme au début, c'est un petit peu une non-nécessité, là, mais pour vrai, maintenant qu'on l'a, je m'en passerai plus pour toutes les prochaines fois où on va justement être ailleurs pour un petit peu plus longtemps, puis il faut coucher le petit pour qu'il dorme. Ça va être vraiment, vraiment pratique. Je pense, quand je vois un petit bébé de même, ça me fait toujours penser à maman. J'ai manqué 4 jours et demi, moi. Je m'en suis. Non, c'est juste ici. C'est mon chandail, c'est mon bébé. Boubou! C'est vrai que ça fait une petite crache au nez. Ce fut bien plaisant. Une petite visite de la famille qui vit à la maison. Là, on a un petit projet sur la planche. On va essayer de cleaner un petit peu le sous-sol. Je pense que je fais quasiment jamais dans le sol. C'est un bordel, les amis. Tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on veut pas qu'il traîne, se ramasse en bas dans ce foutoir.
Puis on a peut-être vendu les divans qu'on avait dans le sol, qui sont nos anciens divans qu'on avait à l'appartement. Fait que on va essayer de justement faire de la place pour ça, parce que la personne va venir voir les divans qu'Anto a acheté sur Marketplace tantôt. Puis il faudrait quand même être capable d'y accéder. En ce moment, c'est juste, c'est ça. C'est vraiment juste un bordel. Fait qu'on va faire ça. Je vais essayer de ramasser un petit peu en même temps, d'essayer de placer les choses à leur place. Genre l'autre fois, on a enlevé des bouts de bois qui traînent là depuis. En tout cas, c'est vraiment juste un bordel. Fait qu'on va faire un petit cleaning express. Commence à y voir clair. Déjà, on peut marcher ici, chose qu'on pouvait pas faire avant. Fait que tout est cleané. Anto a cleané l'autre sofa. Ça, c'est un sac de poubelle de la récup qu'il va falloir aller jeter. Puis, on essaie de répartir un peu le stock partout, là, juste en organisant mieux les choses. Mon cocouette. Fait qu'on a rangé le stock un peu partout, organisé ça. Puis, c'est une bonne chose. Je passerai peut-être la balayeuse tantôt. On va voir. On avait des croissants puis des chocolatines dans le congélateur, puis j'avais vraiment envie de manger quelque chose d'un peu gros. Un croissant, ça me tentait, une chocolatine, ça me tentait vraiment. Fait que j'ai mis au four un petit peu à 200 pour qu'il réchauffe puis qu'il ramollisse. J'ai hâte que ce soit prêt, ça va être vraiment bon. Bonjour! T'as fait une petite sieste, toi? Bonjour! Mon popo! C'était un popo? Oh. C'est le genre de journée où est-ce qu'il fait la grosse tempête en là-dessus. Dehors, il neige, c'est fou! Puis que j'ai absolument rien envie de faire. La soirée d'hier, je pense me rendre dedans. On est revenu quand même tard, puis on a bu un petit peu de vin au souper. Fait que... Quoi? Les deux quoi? J'ai dit on est revenu quand même tard, puis on a bu un petit peu de vin au souper. Ouais. Fait que ça... Ah, ouais, non, pas toi, là, parce que tu conduisais, mais... Genre moi, mon père, ma tante. Non, non, ouais. Non, non, clairement que quand on a le petit, la personne qui conduit ne boit pas, là, ou genre, tu sais, il a bu genre une bière, un vin, puis c'est tout, là. Bref, c'est ce genre de journée-là où est-ce que j'ai rien à le faire, fait que je pense que Théo vient de se réveiller de sa sieste. On va chiller un petit peu. Je vais peut-être aller prendre une marche, mais il me semble la neige a l'air vraiment intense. Je pense qu'on ouais, va relaxer. C'est dimanche, après tout. Fait qu'on va relaxer, peut-être écouter la télévision un petit peu. Peut-être faire de la planif. Tantôt, j'aurais aimé ça passer une commande d'épicerie pour aller récupérer dans l'épicerie. Genre, la faire préparer puis aller la récupérer. Parce que je ne penserais pas avoir le temps d'y aller en personne faire une grosse épicerie. Ni aujourd'hui, ni en début de semaine. Fait que je me dis au moins de la faire préparer. Ça va quand même nous permettre d'avoir des bonnes choses, puis de se faire des bons repas cette semaine. Fait que ça va peut-être être le plan. Mais du moins, pas grand plan aujourd'hui. Puis c'est bien correct de même. Il y a des journées comme ça. Essayer de faire le menu de la semaine. Si je veux passer la commande d'épicerie, qu'est-ce que tu avais envie de manger cette semaine? Je mangerai un couscous. Ben, comme on a... Comme on était censé manger la semaine passée, qu'on n'a pas mangé finalement.
Ouais, un repas mijoteur, ce serait bon. Mais on n'a comme pas trouvé de recette qui serait... Genre, mangerais un bol, genre poulet, tu sais, style poulet laitue. Comme qu'on avait fait là avec les jalapeno qui étaient un petit peu spicy, ça te tente-tu? Ouais, style salade Tim Hortons. On pourrait manger du... Juste du chicken avec genre... Zucchini, ça fait longtemps. Chicken, zucchini, rice. Poulet. Je vais checker si les zucchini sont en spécial. Sinon, je pourrais prendre des asperges s'ils sont en spécial. T'as-tu besoin de trucs pour tes... Ok, ton mio. Quoi d'autre? Des trucs pour des déjeuners. Ouais. On a acheté des nouveaux plats Tupperware qui sont genre des plats de préparation de meal prep là. Fait que t'as comme... Je vais aller chercher. Fait que t'as genre ton plat comme ça, puis t'as deux sections dedans, fait que tu peux mettre justement ton repas principal là, puis ton accompagnement à côté. Puis c'est de Tupperware directement. Je les avais trouvés au Walmart si jamais vous en cherchez là. Vraiment, vraiment, vraiment pratique. On va pouvoir justement se faire des... meal prep, des repas, mettre nos restants, nos leftovers là-dedans. Puis juste avoir à mettre sur le micro-ondes pour se faire réchauffer un petit dîner. J'ai pas mal fait l'épicerie qu'on va aller récupérer. J'ai pris principalement des trucs là, comme pour les repas qu'on disait. Brocolis, courgettes, des galettes de riz. Il y avait une tasse qui était belle. Jambon, tomate, poivron, lait de coco. Je vais faire une soupe aussi cette semaine. Tomate en dés, du fromage, des gouttes pour l'eau en taux. Et puis, des repas congelés pour lui, des avocats. Fait que ça ressemblerait à ça. On risque de refaire une commande pour la fin de la semaine, mais du moins, on aura les principaux. Hein? Savais-tu que les bébés aiment ça, prendre nos mains quand on leur donne à boire? Pourquoi? Ça les rassure. Pourquoi? T'as lu ça? Wow! Beau bébé! Je sais, il s'est fait une giga graphing sur le front, c'est fou. Je m'excuse. On lui coupe littéralement les ongles à tous les soirs, puis à chaque matin qu'on le lève, il se réveille toujours avec une nouvelle graphing. Ce matin, il se réveille, il n'y avait aucune graphing. On l'a couché pour sa sieste, puis il s'est fait ce mastodonte-là. Fait que... pauvre petit coco. Fait petit. J'ai juste de finir de faire ma planification. Un début de planif pour ma semaine. Fait que ça, c'est une bonne chose de faite. Puis là, ben... on tue. Tellement fatiguée. Allô, ma cocotte. Oh non. J'essaie de m'activer un petit peu. Puis de préparer les commandes Vinted que j'ai reçues. En fin de semaine, mon Vinted d'ailleurs, là, je l'update quand même assez régulièrement. Puis il est toujours en bord de description. Je me voulais regarder pour des morceaux usagés. Fait que je vais préparer les commandes justement que j'ai eues pour pouvoir shipper ça demain puis que les gens aillent leur colis assez rapidement. C'est toujours le fun quand tu commandes de quoi que t'as pas besoin d'attendre trop avant de l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu veux pas faire des petits rôles? Tantôt, il est en train de jouer le football pendant que t'es au bois. À chaque fois que je reçois des colis dans la poste, genre que des trucs que je commande ou peu importe, je garde toujours les enveloppes, même si sont utilisées. Puis, je les réutilise justement quand je fais des commandes, quand j'ai des commandes Vinted ou bon magasinage, là, peu importe. Fait comme ça m'évite d'avoir à acheter des enveloppes postales et puis ça les réutilise. Je me dis ma conscience environnementale est quand même bonne. Là, faut juste pas que je me trompe. Qu'est-ce qui est acquis? Là, je vais faire m'assurer que ce soit à la bonne personne. C'est quoi un fumble? C'est l'autre qui l'ont pris. Ouais, c'est ça. Tout le monde saute dessus, puis c'est la personne qui est vraiment tellement. Oh, ouais. Football, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais j'ai vraiment hâte au Super Bowl. C'est toujours vraiment cool, le Super Bowl. Cette année, c'est Rihanna, ma préf. C'est qui l'année passée?
Ah oui, c'était drôle ça. C'était prêt. L'autre année de Shakira puis J-Lo, ça c'était insane. Lady Gaga, en vrai, je me souviens plus. Ouais, c'était. Ben oui, je me souviens pas tant que ça. Je me souviens que J-Lo puis ça c'était épique là. C'est l'heure du bain pour Théo. Donc, on va lui donner ça, mais ça va venir un petit peu. Qu'il te faut foigner. Pendant que Anto le lave, je vais préparer moi son sac de garderie. On pourra en parler un peu plus davantage demain, justement, quand va venir le jour J. Mais je vais préparer ça tout de suite, tant qu'à y être, avant qu'il se couche. Fait qu'ici, j'ai mis des couches, quand même un bon paquet de couches. J'ai mis un pyjama de rechange. Je savais pas s'il fallait que je mette genre des linges ou peu importe, mais nous, c'est pas mal toujours les linges qu'on utilise. Fait que je vais en mettre au cas où. Puis je verrai qu'est-ce qu'elle me dit. Un autre, un genre de linge plus gros. Je vais mettre sa crème pour le corps, parce que comme on disait, il y a des petites plaques là sur le ventre. Fait qu'il faut l'hydrater quelques fois par jour. J'ai mis aussi les céréales dans ce moment. Céréales d'avoine pour qu'elle lui en donne. Et puis, ça ressemble à ça. Des lingettes aussi. Fait qu'un shitload de couches, des lingettes. Puis demain, on va pouvoir préparer les biberons pour la journée. On a mis une suce de plus dans le sac juste au cas où. Je pense pas qu'on oublie quoi que ce soit. Le sac est pas super gros là. Fait que je me dis que en attendant, ça va faire l'affaire, mais éventuellement. Je veux qu'on garde vraiment genre notre sac à couche à nous, qui est celui-là d'habitude, là, qui est le sac à couche qu'on traîne partout avec nous. Celui-là, je veux vraiment qu'on le garde séparé du sac de garderie. Donc, ça ici, c'est ça. Je pense qu'on va peut-être juste en commander un qui est plus gros puis qu'on va vraiment pouvoir juste garder pour la garderie. Je vais mettre aussi une petite couverte comme ça. Je vais mettre juste pour qu'il y ait un petit peu de maison avec lui. Je sais pas s'il manque quoi que ce soit d'autre. Elle nous a vraiment juste dit genre amener des couches, des lingettes, un pyjama de rechange. Ça devrait être suffisant. Fait que j'en ai mis un petit peu plus que ça. Puis elle a demandé qu'on mette un cache-couche aussi sur lui. Vu qu'on l'envoie juste probablement en pyjama, je pense pas qu'on va commencer à l'habiller tout de suite. Pyjama, c'est super simple vu qu'on change de couche tellement souvent dans une journée à ce bébé-là que ça devrait faire l'affaire. Fait qu'on va y mettre un cache-couche en dessous. On n'a jamais fait ça, de y mettre genre deux effaceurs. Mais c'est ce qu'elle demande. Donc on va respecter ses demandes. C'est justement ouvert un autre paquet de couches. Je pense que ça va être officiellement notre dernier paquet de couches numéro 2. On va commencer à acheter des couches numéro 3 parce que je trouve qu'il s'en vient avec plein de plis là, quand on lui met ces couches-là, fait que c'est signe qu'elle est peut-être un petit peu, qu'elle commence à être un petit peu serrée. On va passer ce qui reste, puis après ça, on va passer aux couches numéro 3. On a couché le petit, on vient de finir de souper, et puis on est dans la douche, je vais y aller après. On était tellement fatigués hier, on est revenu vraiment tard de souper de chez mon père, là, fait que le réveil 5h, 5-6h plus tard pour le petit était assez rough. Fait qu'on dirait que la journée, toute la journée, ça a genre rendu, je sais pas, on était vraiment, vraiment fatigués. Je pense qu'il est littéralement 7h. Puis on se prépare à aller se coucher. Fait que quand on est fatigué, on s'écoute. Puis on essaye de prendre le maximum de sommeil, oups, qu'on est capable. Surtout pour essayer de récupérer. Puis d'essayer d'avoir une belle nuit de sommeil. Fait que je pense que moi là-dessus, je vais terminer ce deuxième vlog de semaine de vlog maintenant. Ça va avoir été une petite journée très 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 tranquille, mais c'est notre réalité. Pas toutes les journées sont extravagantes et pas toutes les journées il se passe grand chose. Fait que ça a fait du bien. On a pu se reposer, puis récupérer, puis recharger nos batteries pour la nouvelle semaine qui commence demain. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.